Hamon & Benson. Le journal des stratèges. Et donc, on commence tout de suite avec les Pays-Bas, qui investit massivement dans l'hydrogène avec 125 millions d'euros qui sont prévus pour son développement. Alors l'idée, c'est de stimuler la vente de véhicules à hydrogène en déployant un réseau digne de ce nom dans tout le pays, nous dit 20minutes.fr. Alors un site de production d'hydrogène vert sera construit en mer au large de Groningue, qui est une ville de la pointe nord des Pays-Bas. Alors le plan prévoit de subsidier 80% du surcoût d'un camion ou d'une camionnette à hydrogène par rapport au prix d'un équivalent thermique. Alors les Pays-Bas prendront aussi en charge 40% des coûts de construction d'une station de ravitaillement. Alors la seule condition pour profiter de ces subventions, c'est que la station soit publique, c'est-à-dire qu'elle soit aussi capable d'accueillir les véhicules particuliers. Alors l'objectif à court terme, c'est de voir fleurir au moins 40 stations dans le pays.